m'appelle Père Justin, je suis moine cistercien de l'abbaye Stift Heiligenkreuz, c'est Sainte-Croix en Autriche. Les moines ont toujours essayé de produire de bons produits. Et depuis longtemps, ils ont invité de nouveaux produits. Par exemple, on peut penser à le champagne. C'était Dom Pérignon qui a inventé aussi le champagne. Et nous avons pensé à produire un produit de haute qualité, aussi avec l'alcool. Maintenant, le gin, c'est à la mode en France, mais aussi en autres pays d'Europe. Pour fabriquer le gin, on a besoin d'alcool. Et avec un bon alcool, on peut distiller le gin. Pour cette distillation-là, on a besoin des herbes, des bonnes herbes. Et chaque gin a une propre recette des différentes herbes. Une gin en Europe, il faut que le gin a 37,5% d'alcool. Notre gin a 42%. On n'a pas utilisé Saint-Pierre, ça c'est pour une édition spéciale, mais on a commencé avec le deuxième pape, l'un, et maintenant nous sommes dans le pape du 5e siècle, c'est Boniface Ier.